Voilà, on est samedi. J'ai pas été avec mon chéri. Je l'ai retrouvé après quand même. Pour voir ce qu'il fabrique dans son garage. Je me suis habillée en tenue de pluie. Hein. Comme vous voyez, il pleut bien. Ouais, alors, petit conseil. Hein. J'avais pas encore testé ça, mais s'il pleut pas, ça sert à rien de mettre la tenue de pluie. C'est-à-dire, parce que il fait quand même un temps où tu pourrais te dire qu'il va pleuvoir, n'est-ce pas? Comme les autres jours, il a plu aussi. Donc, la théorie, c'est... Tu t'habilles plus ou moins normalement. En fait, t'as quand même trop... Ouais, c'est toujours compliqué, hein. Ça a l'air comme ça, super simple. Mais non, non, non. Parce que si tu mets une tenue dessous la tenue de pluie et que t'enlèves la tenue de pluie, c'est une tenue trop légère. Parce que la tenue de pluie, elle tient chaud quand même. Même si elle a un super degré d'évacuation, blablabla, parce que t'as mis le prix. Donc, tu dois avoir la tenue qui est dessous, plus un truc par-dessus, parce qu'en fait, il fait pas très chaud quand même. Voilà. Et puis, quand tu mets la tenue de nuit, parce qu'il commence de pleuvoir, c'est là que tu enlèves le un peu plus chaud, tu mets dans le sac. Mais ça veut dire quand même qu'il faut un sac pour mettre la tenue de pluie. Voilà, super découverte, Stéphanie. J'ai transpiré, heureusement que j'ai des habits qui pompent quand même, donc ça va. Mais voilà. Bref, c'était pour dire que c'est ce qui est samedi, que ça va bien, c'est bien monté, je suis contente. Et puis voilà, je sais même pas ce que je voulais dire, mais je pense que je suis fatiguée quand même. Fatiguée par quoi, on sait même pas. Non mais les médicaments là quand même ça... J'ai augmenté la dose, enfin la prise parfois, et puis là bah du coup il faut quand même que ça s'adapte. Hein. Mais du coup je suis fatiguée, du coup. Bonne journée!